¿Qué tipo de extracción podríamos hacer en la cocina? Et voilà le volcan. El Chede. La mer de nuages. C'est les alizés, ça m'étonne Ah plus ouais. qu'aussi. Ah, je mets ça en direct, c'est trop beau. Oh oui, C'est magique. Ah, puis alors les oh énergies ici, oui. quelle douceur! Voilà, nous vous faisons profiter de notre excursion dans la grande forêt des Canaries, avec droit devant là-bas le volcan et la lune au-dessus. El Chede, avec sa forme de sein et de mamelon. Les énergies n'ont rien à voir avec Mariposa. Et ici, nous récupérons une douceur insensée, alors que nous sommes au cœur du parc volcanique. Cette fois-ci, je ne tire pas la Il y a langue. une douceur incroyable. Mais c'était pour la photo, hein, que j'ai tiré la langue. La végétation est superbe. Ah, c'est vraiment incroyable. Tout est différent. Je reprends El Tied. Ah non, mais c'est trop beau, faut que. C'est magnifique. C'est pris, macho. Et là-bas, nous avons. C'est la Gomera qui est en face, là-bas? Avec les deux bosses? Je sais pas. Ou c'est l'Afrique? Demandez à Martine. C'est quoi l'île là-bas? La Palma. Ah, c'est La Palma, La Las Palmas. Et bien évidemment, ce fantastique volcan que d'en bas nous voyons très peu. Il a vraiment une forme de sein, hein, avec son mamelon, son téton au bout. C'est le lieu des noces. Hein. Tu m'étonnes qu'on ne dorme pas, toi, on est sur 250 volcans. Mais tu as vu toutes les noces qu'il y a entre. Ah ouais, non, mais c'est c'est qui sont magique. encore là demain. Hein. C'est magique. En fait, taxi, je suis en train de voir avec lui. Il y a une énergie du. C'est quoi les bâtiments blancs là-haut? Là-bas, il y a des trucs. Qu'est-ce que tu m'as dit, Marie-France? C'est quoi? Ah ouais. L'observatoire. L'observatoire astronomique? Si. Isana. Alors, c'est de cet observatoire que Rafael Guerrero López, un des plus grands astrophysiciens espagnols, avait communiqué avec moi dans les années 2005 et m'avait communiqué tous les travaux et toutes les photos que j'ai gardées secrètes parce qu'il me l'avait demandé de la preuve de l'existence de Nibiru. Ah, mais là, on voit parfaitement l'énergie. Quelle énergie, ce truc! Les lézards, ils font la bronzette, on a trois différents. Vous voyez les lézards? Ah, les lézards! Il y en a plein dans le jardin où de Mariposa, les lézards. On dirait qu'on a rajouté un sein artificiel, un petit bout en plastique. Comme un petit bout de sein artificiel. Ah, que tout le monde profite de ça, c'est magique. C'est vraiment. Voilà, petit cadeau du matin. Ah non, mais il y a une paix par rapport. En bas, là. Alors je vous précise qu'à Mariposa, là où on est beaucoup à pas dormir.
parce qu'on est en plein sur un des volcans, hein, il n'y en a pas qu'un, le Tiandé c'est le plus gros. Et là par contre les arbres adoucissent complètement l'énergie de feu qu'on avait. Là. Oh, c'est magique. Quelle beauté ce truc là-haut. Et l'observatoire astronomique. À gauche, la montée du téléphérique, on aperçoit des petits... Oui. Là-haut, vous avez l'arrivée du téléphérique et l'observatoire astronomique de Tenerife, que dirigeait Rafael Guerrero. À gauche, les formations rocheuses, Yannick, c'est pas une formation rocheuse, c'est l'observatoire astronomique, là. Et là, c'est le volcan le plus haut, à 3700 mètres. L'observatoire, ils organisent des tas d'excursions, même de nuit. Ah oui, ça doit être magnifique. La visibilité... Une photo de groupe. Allez, les amis, on va s'occuper de nous maintenant. Alors, nous changeons de décor. Nous sommes maintenant au-dessus de la forêt. Ah ben là, c'est lunaire. Hein. Nous approchons du tiède, l'observatoire astronomique là-bas. Ah, la végétation est de plus en plus rare. Ah, oh, il y a un petit papillon blanc. Ouais. Là, nous sommes à plus de 2000 mètres. Nous approchons du tiède, la limite de la forêt, la mer des nuages, Las Palmas en face. C'est absolument magique. Voilà, alors là nous sommes en plein milieu de la caldeira. Cette caldeira s'est créée il y a 10 millions d'années. Il y a des cristaux bien évidemment partout au milieu de la roche volcanique, en particulier de l'obsidienne, des cristaux de roche. Nous avons ici le Teide, et voilà ce qu'ils appellent le doigt de Dieu. Nous allons nous diriger vers ces paysages absolument incroyables. Nous sommes effectivement à l'exact opposé d'Hawaï. Hawaï étant le premier rêve. Nous sommes ici sur le lieu du dernier rêve, là où tout s'achève. Je vous laisse admirer, il n'y a pas de mots. Nous allons avoir une vue exceptionnelle sur le cœur de la caldeira. 40 km de diamètre. L'énergie est absolument incroyable. Voilà, on approche du cœur de la caldeira. Regardez. C'est pas un doigt d'honneur, c'est le doigt de Dieu. Nous allons approcher de la caldeira. Une végétation qui est unique ici. Et voilà la caldeira, hein, c'est ça Martine hein? Avec la mer de sable.
C'est absolument phénoménal. Hein. C'est vraiment... Voilà. Alors là, nous sommes... Cet endroit est intact depuis 10 millions d'années. Ça se passe de mots. Voilà, c'est revenu. L'image est revenue. Ça se passe de mots. Hein. Voilà la mer de sable, le cœur de la caldeira. J'ai fait le tour. C'est plus que magique, quoi. Il n'y a pas de mots. Un petit pouce qui nous dit d'accord. Il y a des totems partout. Coucou Louis! À bientôt Louis, on arrive dans 10 jours bientôt. Alors là, nous, on va pas s'aventurer dans le cœur parce que on n'a pas beaucoup de temps, on a encore d'autres choses à voir. Voilà, nous regardons quelque chose qui a 10 millions d'années, qui est inchangé. Les roches, les cristaux d'obsidienne. Terminé par ce gros plan. Et pendant qu'il y a le direct, ce soir à 22h pour vous en France, heure française. Si j'arrive à passer un direct, nous aurons la troisième et dernière partie de Je suis toi, que j'espère pouvoir vous diffuser en direct. Il n'y aura pas besoin d'image parce que pour exprimer Je suis toi, tous les corps sont étendus et immobiles. Continue à filmer parce que c'est trop beau. Voilà les amis, je vous dis à ce soir, si j'arrive à passer le direct, troisième partie de Je suis toi. À bientôt.